3DS. Sans vous manquer de respect, la 3DS est bientôt en fin de vie. Je peux peut-être vous conseiller une console un petit peu plus récente, comme une Switch, ou pourquoi pas une PS4 ou une Xbox One, qui ont encore un bel avenir devant elles. Ah non, vous préférez attendre la PS5 et la Xbox Series X, d'accord? Et en attendant, vous souhaitez passer encore un petit peu de temps sur la 3DS? D'accord, très bien. Justement, j'étais en train de faire l'inventaire des tout derniers jeux 3DS disponibles dans notre magasin. Et je ne vous cache pas qu'il ne nous reste plus grand chose. Ainsi que votre numéro de téléphone. Très bien. Ah, vous êtes trompé. Vous préférez donner une adresse, s'il vous plaît. Très bien. Et pouvez-vous me dire les consoles que vous possédez chez vous ? Console récente, bien entendu. Il me semblait bien. D'accord, très bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qui nous reste dans notre stock de magasin Micromania. Et vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de choses. Désirez-vous que je vous cite le prix de tous les jeux que je vous montre? Un Micromania a fait beaucoup de place pour la Switch qui en ce moment cartonne comme jamais. Alors, pour commencer, nous avons le Metroid.
Il est actuellement à 10 €. Oui. Il est neuf ce blister. Mais ce ne sera pas le cas pour tous les jeux qui nous restent. Quel est le but de ce jeu? Est-ce qu'il se rapproche à Metroid classique? Ah là-bas, je peux vous répondre à cette question. La réponse est non. Puisque dans ce Metroid Fédération Force, vous aurez juste le droit à un FPS multijoueur un peu plus classique, enfin même très très classique. C'est vrai que ce n'est pas le genre de jeu que l'on recherche sur la 3DS. Pas intéressé même à 10 €. C'est bien ce qui me semblait. Alors, mais par contre, si vous êtes intéressé par un Metroid un petit peu plus classique, qui se rapproche beaucoup des épisodes phares de la série, vous avez juste ici. Il est actuellement à 25 €. Oui, c'est une version d'occasion. Pas intéressé du coup. À vous de désirer en 9 sous blister. Malheureusement, je ne pourrais pas vous proposer ceci. Très bien. Nous avons trois opus d'une même série. Une série très célèbre. C'est une série made in Nintendo. Oui, tout à fait. Il s'agit de Fire Emblem. Et juste ici, vous avez le Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia. Dans Valentia, Alm et Célissa, deux amies d'enfance séparées par la vie, se retrouvent d'un conflit entre deux nations. Et oui, j'aime bien vous raconter la synopsis d'un jeu en chuchotant. Ça vous dérange? Je vous rassure. Le prix. Sous blister, il est d'occasion. Bon, très bien. On s'éclaire et net, vous ne voulez pas de jeu non déballé. Oh, vous inquiétez pas, ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas payé selon les ventes. Confirme que j'ai le droit à des primes et à des avantages selon les ventes du magasin. Mais au vu des prix proposés par les jeux qui me restent sur la 3DS, je ne m'inquiète pas de ce côté-là. Ouais, en effet. Alors, vous avez de la chance. Les autres jeux qui nous restent en stock sont sous blister.
Fire Emblem Fate, Héritage, proposé à 10 euros. Ça vous rappelle quelque chose? Dynasty Warrior. Oui, en effet, c'est le même style de jeu. Là, on n'a pas vraiment du RPG, mais plus un genre assez exotique pour la série Fire Emblem. Il est actuellement à 20 euros. Ça vous tente pas. Parce que j'imagine que ce que vous aimez bien dans les Fire Emblem, c'est le côté tactical RPG. Oui, en effet. Non. Inutile que je vous recommande celui-ci. Malheureusement, nous n'avons plus qu'un seul jeu. Shantae and the Pirate Curse. Alors. Shantae Pirate Curse. Shantae and Pirate Curse, il est à 20 euros lui aussi. Quel est le genre de jeu? Eh bien, c'est un jeu de plateforme en 2D scrolling. Avec graphisme rétro. Oui, c'est un jeu indé. Ah, vous n'aimez pas trop les jeux de plateforme, et encore moins les jeux dits pixelisés. Non, encore une fois, pas pour vous ceci. Non, je suis désolé, monsieur. Malheureusement. Vérifier dans les stocks. Non, c'est tout ce qui me reste en magasin. Ce sera pour un autre client.
PS5 et de la Xbox Series X pour les sorties françaises, afin que vous puissiez réserver votre console. N'oubliez pas le fiasco qui avait pu. Enfin, oui, le fiasco que l'on s'était pris en France par rapport au manque de stock de la PS4. Mon petit doigt me dit qu'on va se taper la même chose avec la PS5. Ouais. Oui, de toute façon, vous avez nos coordonnées. Oui, très bien. Bah, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans votre magasin.